Donc pour les familles dont il est question ici, nous allons naturellement retirer la pierre qui est au-dessus de nous parce que c'est un danger permanent et il faut la retirer. Ça va prendre 15 jours. Techniquement, depuis samedi, on a trouvé des solutions. Donc on va le faire, il faut une semaine pour atteindre la pierre. La semaine suivante, on fait imploser la pierre, on l'évacue et les familles pourront revenir ici. Mais ce ne sera que de façon provisoire, je le dis, parce qu'on ne peut pas rester dans cette situation. Il y a quelques années, le danger était de l'autre côté de la rivière. Une pierre est tombée déjà à Tenaho sur des familles qui y vivent. Cette fois-ci, nous sommes sur la rive gauche. Je crois que c'est toute la question de la vallée Tenaho qu'il faut se poser aujourd'hui. Peut-on se permettre aujourd'hui de laisser encore les populations vivre dans cette zone de Pilaire? Donc on va nous trouver des solutions pour qu'ils restent à Pilaire. Mon projet à moi, c'est de créer sur une partie du terrain de l'hippodrome, de créer un lotissement là qui permettrait aux gens de rester sur Pilaire. Parce que je crois que c'est la grosse crainte de ces personnes, ils veulent rester à Pilaire. Donc, mais dans un lieu mieux sécurisé que celui dans lequel ils sont aujourd'hui, parce que vraiment là, il y a danger. Il y a vraiment danger.